Hop, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertirance pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Echo Generation Midnight Edition, et vous venez de voir, je viens de niquer le boss parce que je suis allé m'entraîner un petit peu, gagner un niveau et revenir un peu plus fort. Voilà, j'ai dépensé mon argent pour acheter du soin, et on est pas mal, voilà, on a tué notre premier boss, ça fait plaisir ça. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Tu as trouvé de l'argent, j'adore l'argent, l'argent c'est la vie. L'argent, c'est formidable. Est-ce que je peux passer par là? Entrée. Ok, tu as trouvé de l'argent, j'adore. Champ de maïs, oh le bordel à cul. Oh, de l'argent, mais il y a de l'argent partout. J'adore l'argent, je suis un fanatique d'argent. Oh, le chat. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Oh, te voilà. C'est l'heure de rentrer, Matou. Patience, ce n'est pas encore l'heure. Toujours en chasse. Oh, c'est très joli, là, le voxel, là, le fond d'écran, très joli. Oui, mais il n'y a pas un rat, enfin, de souris. Quelque chose a dû les faire fuir. C'est quoi ça, dans le champ de fumée, je vois de la fumée? Dans le champ de maïs, je vois de la fumée, aucune idée, c'est peut-être un avion militaire secret. Miaou, c'est clairement un vaisseau spatial. Depuis quand t'es expert en la matière? Je veux le voir. C'est sûrement dangereux. Matou devrait venir avec nous. Aller là-bas est une mauvaise idée. S'il te plaît, sûrement trop d'aventure pour lui. C'est un chat intérieur après tout. Très drôle, Asie. Tes stratégies de manipulation ne marchent pas avec moi. Tu crois qu'un poisson peut aussi venir de l'espace? Un poisson spatial? Miaou, il n'y a même pas d'eau dans l'espace. Viens, Asie, on y va. Si on meurt, au moins on sera ensemble. J'ai pas peur du poisson spatial. Merveilleux. Mes humains sont suicidaires, mais ce serait plutôt contrariant qu'ils meurent. Et pour être honnête, je suis assez intrigué. Mais oublions ça, ce reste du poisson que je sens. J'ai un vieux poisson de la poubelle. Il sent vraiment mauvais. D'accord, je vais vous accompagner en échange de ce vieux poisson. Ça marche? Oui. Est-ce que c'est notre troisième perso, du coup? Recruter le chat comme compagnon. Ah ouais, d'accord. Ok, on a un gros chat. Oh, la décharge, d'accord. On a un gros chat comme compagnon. Et on va aller vers le vaisseau spatial. Ah ouais, non, mais il y a des méchants, là. Je peux les esquiver ou les affronter. Ou un peu des deux. Bah écoutez, on va voir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Il a l'air relativement puissant. Ah ouais, 32, c'est pas mal, hein. Le boss était à 50. Après, on a boosté les capacités de la meuf, de la sœur. Hein. Moins 3. Ah, et ça fait pas trop mal. Ça va. Brûlure, ça marche bien, ça. Faut juste que je le fasse à temps et je me trompe pas de sens des flèches, mais ça va. Et ça fait très très mal, hein, comme vous voyez. Et en plus, avec la brûlure, fouet. Attaque que de fouet. Ok, ça fait quelques dégâts. Mais c'est pas extra. Neutralisation, vas-y, je vais neutraliser le fion. Voilà. Est-ce que le feu va le tuer? Oui, parfait, ça c'est trop bien. Les états, là, comme dans Pokémon, c'est très très bien. Une bonne victoire, on obtient des niveaux. Le chat, il est que level 5. Ah ouais, la vache. Il est que santé 5. On va t'augmenter la force, hein. Priorité à ça. Bon, sympa cet extraterrestre. Est-ce qu'il faut que je me soigne? Vas-y, ouais, on va te soigner, mon vieux. On va te soigner et on va aussi soigner la meuf, histoire d'être bien. Arrête de dire la meuf, vas-y, c'est sa sœur. Oui, non, mais la meuf, quoi, la meuf. Moi-même, en parlant de ma sœur, je dis la meuf, donc bon. Hop. Ouh, une petite... Lui, il faut que je lui améliore sa force. Hein. La dernière fois, je lui ai amélioré sa vie, là, il faut que je lui améliore sa force. Et la sœur, faut que je lui améliore sa vie. Et le chat, c'est une merde. Ok. Le chat, il s'est fait décapiter l'oignon. Ça, c'est très efficace. C'est très très bien. Ça peut être pas mal d'améliorer les compétences aussi. De pouvoir faire pas mal de... Voilà. Et le chat, c'est juste histoire de... Le chat, c'est un peu un caca-boudin. Oh, mais lui, il restait que 2 points de vie. Ok, on est bien. C'est bien, c'est bien. Faut pas aller soigner. Le chat revient et en plus, il gagne beaucoup d'XP. Il est full vie ou pas? Ouais, il est full vie, donc ça vaut le coup de mourir en vrai. Là, y a pas des choses à prendre, non? Des choses à récupérer? 9999, y a un vaisseau extraterrestre? Ça a l'air extra terrible. Reste du vaisseau spatial. Hein, le vaisseau spatial. Oh, là, y a quelqu'un. Est-ce que c'est la suite du jeu peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces capsules ont la taille idéale pour ces animatroniques. Oh, ça fiche la trouille. C'est peut-être de là qu'ils se sont échappés. Ouais, peut-être, peut-être. Oh, pièce de batterie. Une batterie pour petits robots.
Petit robot. Pas de courant. Il a dû se casser en écrasant. Ok, ok. Pas de courant, je ne sais pas. Ok, c'est la même chose. Oh, un robot. Il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'il va bien? Bonjour, monsieur. Miaou, miaou. Ah! Bah, dégueulasse. Attends, il y a quelque chose dans la main. Mais c'est le visage de papa dessus. Quoi? Fais voir. On dirait la carte d'accès de papa. Mais comment? Papa travaillait à la FST, mais il ne pilotait pas des vaisseaux spatiaux. Il l'a volé à papa. Pourquoi quelqu'un voudrait voler la carte à papa? Je n'y comprends rien. Ça ne m'aimait pas du tout. Ouais, c'est bizarre. Carte d'accès de papa. Ok. La carte d'accès, pourquoi? Pour autre chose? Pour ça? Pas de courant. Il a dû se casser en s'écrasant. Non, non. La carte d'accès, ça va nous servir plus tard. Oh! J'ai la pêche. Ça faisait longtemps que j'étais coincé dans cette épave en métal. Ces radiations terrestres me font le plus grand bien. Ta meilleure mine, le poulpe. Oui, dites-moi, vous connaisseriez un endroit intéressant? Je devrais aller voir du côté de la décharge. Quoi, la décharge? Pourquoi est-ce que je voudrais aller dans un endroit avec encore plus d'épaves? Ah, du coup, on va le rejoindre vers les... Il va nous rejoindre? Ah non. J'ai rien qui vienne, ça a l'air d'être un méga pote. Bon. Il va peut-être à la décharge. Je peux pas y aller, moi? Non. Ok. Rencontrer le calmar extraterrestre. Est-ce que les mobs sont à nouveau là? Pas pour le moment. Ah si, ils sont là. Est-ce que je les affronte? Ouais, ça fait des points d'expérience. Il faut, c'est comme Final Fantasy, quoi. Faut s'entraîner, faut... Faut passer des niveaux, faut gagner des compétences, là, faut être de plus fort en plus fort, de meilleur en meilleur. Comme Stéphanie Meilleur. Ah, mais le chat, c'est une merde pas possible, ce chat. Je l'aime beaucoup, hein, mais va falloir augmenter sa vie. Hein. Parce que pour l'instant, il n'arrive pas à en placer une, il meurt. Allez. Et lui aussi, il faut que j'améliore sa force, là. Oh, ma sœurette d'amour! Vas-y, un coup de pied retourné. Ah ouais, un coup de poing retourné, ça marche aussi. Ok, pas mal. Bon, au moins, là, comme ça, le chat, ça va aller mieux. Ok, parfait. Je vais t'améliorer la santé, histoire que tu serves un petit peu à quelque chose, ma fille. Mon fils, mon truc. Alors, rendre des points de vie. Ok, dès qu'il gagne des niveaux, j'ai l'impression qu'il... Hop, qu'il revienne full vie. Vas-y. Neutralisation. Par l'anus, ce n'est pas du bonus! Ok. Ça fait plaisir. Ok, j'ai bloqué. 5 quand même, hein. Ça fait bobo, hein. Ça fait bobo élastico, comme on dit dans le jargon. Comme personne ne dit. Vas-y, dans la gueule. Elle est trop forte, elle. Je l'aime. Je l'aime d'amour. Vas-y, un coup de queue. 5, c'est pas mal. Une petite neutralisation. Et avec le feu, ensuite, il va cramer et crever quand ça sera son tour, logiquement. Et voilà, efficace et pas cher, c'est l'azertirant que je préfère. Ok. Ah, on gagne pas de niveau. On gagne pas de niveau, mais ça fait plaisir. Bon, on n'est pas dégueu, on est pas mal même, on est pas mal du tout. Il faudrait que j'aille idéalement à la décharge. On est trois mégapotes, 3 mégabros. C'est très joli, c'est du très beau voxel. C'est très joli. Ok, où quelle est la décharge? La décharge électrique, la décharge éclectique. Qu'est-ce que c'est ça? FST, ça dit qu'il faut insérer une carte d'accès. Ah ouais, d'accord. Je peux utiliser le téléporteur. Voilà, nouvelle cabine de téléphone débloquée. Allez, on va prendre... Est-ce qu'on va se soigner? Allez, on va se soigner. Ouais, on va se soigner, mais juste avant, on va se taper un rat, histoire de passer un level. Je me les ai fait tout à l'heure en off. Vas-y, neutralisation... J'aime bien ce petit jeu, là, Eco Generation Midnight Edition. C'est pas mal du tout. Et je vous conseille aussi des mêmes développeurs, Riverbond, qui était pas mal, qui était en voxel aussi. Ils ont l'air un peu spécialisés dans le voxel. En tout cas, leur DA, à chaque fois, c'est du voxel, mais c'était pas mal du tout. Je devrais gagner de l'argent aussi, c'est très bien. Toi, je t'avais dit que je t'augmenterais, quoi, la force ou la force, allez. Plus de force. Ok, on est bien, on va rentrer, c'est dommage qu'il n'y ait pas un téléporteur à la maisonnette. Et il faudrait aussi que je me fasse... Tiens, je vais aller me faire ce raton laveur là, histoire que ma sœur aussi passe un level. Hein, c'est qui ça? Ouais, ta gueule, il vient de battre.
Le loup sort du bois. Tiens, neutralisation. Ah, je peux faire jusqu'à 12 maintenant. Au lieu de... Ah non, 8. D'accord, pardon. Voilà, je te bloque. T'es une merde, t'es une merde. T'es une chure de moule. Je vais te brûler la gueule. Ok, vas-y. Et après, je vais aller manger dans la vraie vie. Voilà, est-ce qu'elle passe son level, la petite? Oh non, pas, toujours pas. Ok, et le chat non plus. Bon, bah écoutez, on va aller soigner. Et on va aller... On va soigner, voilà, avec le chat, ça fait plaisir. Souhaites-tu dormir? Oui. Bon, bah c'est un jeu... Il faut farmer, hein, il faut farmer les... Faut, voilà, qu'est-ce qu'il a dit, elle? Eh oh, regardez-vous, on est... Maman, de quoi tu parles? Ok, c'est pas vrai, ah oui, donc, d'accord, il se répète. Oh, un frigo. Oh, une brique de jus. Ok, est-ce que je me fais le... Allez, je vais me refaire celui-là. Ah non, il est plus là, ok. Bon, on va aller stepper à la décharge. Et on... Faubourg. Ah, mais si, c'est cette décharge-là. D'accord, bon, bah, elle y est. On va aller à la décharge. Utiliser la carte de Popo. Et aller là. Ça dit qu'il faut insérer une carte. Oui. Allons-y. J'adore insérer. Mes grandes passions dans la vie d'insérer. Oh, j'ai trouvé un... quelque chose. Cette clôture bloque le passage. Faudrait trouver un moyen de la couper. D'accord. Pourquoi pas. Oh, c'est joli. Arène de la décharge. Ah ouais, ça grouille. Ah, la mise en scène est sympa. Il y a des très beaux points de vue, là. Ça a beau être du voxel, il y a des trucs très sympathiques. Oh putain. Ouais, là, je pense pas avoir le niveau. C'est quoi ce truc? Les gens de la ville savent qu'il y a ça à 1 km ou pas? Ouais, là par contre, monsieur... Ah ouais, 100. Non mais 100... 100, j'aurais jamais ce qu'il faut, là. Quoi, il fait pas très mal, mais c'est des dégâts de zone, quoi. Donc tout le monde en prend pour son grade. C'est ça qui est terrifiant. C'est bien réalisé, le jeu, en vrai. Vas-y, le chat, un gros coup de queue. Que tu brûles. C'est le double des points de vie du premier boss. Hein. Après, on est plus fort qu'avant, mais bon. Ok, là, il y a une petite phase où faut que j'esquive. Ah, ouais, ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Ah, je vais en plein dedans, ok. Ok, c'est dur de savoir. Et là, il reprend sa phase. Ouais, je me suis pris trop de dégâts avec les missiles, par contre. Ah là, le chat, il va crever. Hein. Ah ouais, en plus, il peut pas utiliser l'inventaire, ce qui est plutôt logique pour un chat. Après, tu peux rendre aussi un point de vie au chat. Ou à toi. Non, plutôt à moi. Parce que le chat, il est sympa, mais il sert pas à grand chose. Ouais, il fait pas très mal, mais il y a de l'endurance. Et il a surtout une autre phase qui est un peu galère. Après, ça se fait, tu vois. On y arrive plutôt bien. Ok, pas mal. Là, il va cramer. Ça va, mais ça fait mal au cul quand même. Non, elle, il faut attaquer. Elle, il faut attaquer parce que c'est celle qui fait le plus mal. Et avec lui, il faudra soigner. Ah merde, j'ai plus de quoi me soigner. Bon, bah tant pis. On va prier. Merde, j'ai raté en plus. J'ai raté et en plus, j'ai très mal géré les missiles. Ouais, je gère, mais comme une pine. Ils sont durs à esquiver les missiles. En fait, esquivons là où je suis ou esquivons sur des...
Ouais, là, je suis mal barré. Merde, et en plus je rate. Oh, je l'ai niqué alors que j'étais presque mort. Bon, bah très bien, excellent. Tout le monde gagne des points de vie. Ok, toi je t'avais dit la santé. La santé, ma fille. Toi la force, bourrer la force. Oh la vache. Pas facile. Mais c'était quoi ce truc? C'était démentiel. C'est comme si une section entière de la décharge s'est transformée en méca géant. On l'a battu. Ouais, je me demande si ce poulpe a quelque chose à voir dans tout ça. Le poulpe extraterrestre? Je lui ai dit d'aller fouiller dans les décharges après tout. Ce maudit poulpe. Bon, rentrons à la maison, il est tard. Et maman nous a dit de rentrer avant le dîner. Oh. Je crois que ma touffe est dodo, je ne veux pas le réveiller. Oh. Bonjour. C'est dégueulasse. C'est un peu sexuel. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vis pas, tu vois, moi, les appareils informatiques personnels me donnent des fourmis dans les bras. Bref, tu peux continuer. Certainement pas. Je ne sais pas ce que tu vas me faire, mais si je m'endors. T'inquiète pas, je ne veux rien de toi, mais ça peut te rassurer, je m'en vais. Ah, c'est, il est immonde. Il est sympa, mais il est immonde. Oh, j'ai une tête de lubrique, quand même. Il fait un peu frais ce soir, je crois que je vais fermer la fenêtre. Non, tu devrais la laisser ouverte, l'air frais est bénéfique pour le sommeil. Je ne suis pas dupe, le poulpe. Tu veux juste pouvoir rentrer en douce. Va-t'en. Et faudrait que je le recrute. Est-ce que il a mis quelque chose en mon ordi? Je sais pas, un virus? Dormons. Gérard Dormont. Sympa, là. Très bonne expérience, là. Très sympa. Salut, Lily. J'ai fait un vrai rêve vraiment bizarre. J'étais un raton laveur et j'essayais de me faufiler dans le bureau de Monsieur Klimpik. Tu as peut-être un pouvoir caché, genre prédire le futur. C'était juste un rêve. Enfin, on cherche toujours papa, non. Il passait toujours par l'autoroute pour aller au travail. On devrait regarder par là. Ouais, ça se trouve, la FST a quelque chose à voir avec sa disparition. On ferait bien de le chercher là-bas. C'est parti pour l'aventure. Ok. Oh, putain. Maman, c'est qui ton nouveau copain? Asie, arrête de dire des bêtises. Ce monsieur est du gouvernement. Il enquête sur les événements étranges qui se passent dans la zone. Avez-vous des choses inhabituelles? Non, je n'ai rien vu. Et tout est normal. Eh bien, faites attention, d'accord. Évitez les ennuis si vous allez au centre-ville. Ok. Merci, mon petit pote. J'aimerais bien lire un de ces jures. Ils sont un peu vieux, ça remonte. Ok. Chevalier portugais. On apprécie. Bon, on est tous les trois. On est bien. Est-ce qu'il y en a un qui passe bientôt de level? Personne. Ok. Oh la vache, ah oui, ça a changé, là. Virgule, il n'y a rien à voir. Ok. Ce stationnement n'est pas conforme aux régulations. C'est un nouvel ordre du gouvernement. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et toi, qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Et si tu cherches le fugitif, quel fugitif? Tu vas regretter d'être venu sur mon territoire. Oui. Je pense qu'on devrait tous se calmer. Moustique, on essaye d'avoir une conversation privée. Je te reconnais, t'es le chien agaçant du quartier. T'as pas pris à ne pas écouter les conversations des gens. Ouais, donnons-lui une bonne leçon. Ah oui, d'accord, il se ligue contre moi. Il a 80. Oh la vache. On va déjà éliminer la petite merde. 80. Ah ouais, non, mais il a un fusil à proton, là. Ah ouais, il fait mal. Un gros fusil à prout, là. Tiens, uppercut dans cet enfoiros. Voilà. Ça va faire du dégât. Aïe. Attends, il faudrait... Vas-y, le chat, élimine-moi cette merde, là. Voilà, un bon coup de queue, là, ça commence à faire mal. C'est les bons coups de queue comme on les aime. Ah, j'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû me soigner. Hein. Me soigner sans aucun doute, j'aurais dû. Vas-y, percute. Percute dans l'oignon. On a de quoi encaisser un peu. Coup de queue. Parfait, il va cramer. Sauf que là, il va m'attaquer. Tout va bien. Percute. Elle est vraiment, c'est vraiment elle notre main caractère. Hein. C'est dommage que le chat puisse pas utiliser l'inventaire. Et si elle résiste après, logiquement il est mort.
Oh, pauvre Matou. Vas-y, je vais terminer coup sec. J'espère que ça suffira. Oui, parfait, parfait. Bon, très bien. On a désamorcé la situation tant bien que mal et on a obtenu beaucoup d'argent, j'ai l'impression. Et pas mal d'XP. Ok. C'est bon, on a désamorcé le truc. Ok, tout va bien. Est-ce qu'on peut aller par là? Allez, en ville me prendra un temps fou. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut prendre le bus? Ce bus mène au centre-ville. Si je prends le bus, il me faut une carte de bus. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais maintenant, on peut... PV, ouais, je suis pas terrible en PV. Je vais aller dormir un coup. Je sais pas pourquoi, il y a un rat-coon qui vit sa vie. On va faire une petite sieste polissonne avec notre sœur et notre chat. Ce qui est plutôt, ma foi, étonnant. Pas se mentir, pas se le cacher. Hop. On est bien. Mais j'adore, très bien ce jeu, très sympa. Bon, lui, on va lui éclater la gueule. Dégage d'ici, c'est notre quartier. Toi, on va t'éclater l'oignon. Et on va donner... On a obtenu pas mal de choses. Logiquement, on va pouvoir faire des échanges avec le mécano, là. Le mécano de la générale. Et après, il faut absolument que j'aille manger. Ouh, dans la gueule. Ok. Ça permet d'obtenir de l'argent et de l'XP. Déjà ça. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Ok, bon, on peut retourner là. Est-ce que elle veut quelque chose? Je peux avoir cette BD. Ok. Alors, qu'est-ce que... Tiens. J'ai de la ferraille. Je peux prendre ta carte de bus? Ouais, ok. Ok, tout va bien. Merci pour la ferraille. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres objets? Ça, c'est la vraie question. Téléporteur. Batterie. Robot. Lumière de Noël. Tube à vide. Ah oui. D'accord. Carte de bus. Ok. Dans le doute, on va faire le tour des objets. Ok, métal, la pince coupante, livre de physique, c'est vrai, c'est ce qu'il m'avait dit. Et après on est bon, et ça, tournevis, des câbles, c'est noté. Ok, bon, on est pas mal, la cabane au fond du jardin, elle était où la cabane? Parce qu'on a les guirlandes. Tiens, Mamie Cookie. Salut. Ah, elle a pas de cookies, mais elle me donne l'échouille guérisseuse. Oh! Ça soigne la vie, d'accord. C'est pour ça qu'il est nul, c'est que c'est un soutien. Comme caractère, comme personnage. Lumière de Noël? Ok, vas-y. Et qu'est-ce qu'on va trouver, là? Amusez-vous bien. Ouais. Merci, au revoir, bon appétit. N'hésitez pas, évidemment, à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça fait plaisir. Elle est très élaborée, sa cabane. Ah, il y a des gens. Cabane dans l'ombre. Je crois qu'il ne m'entend pas. Jette un œil à ma marchandise. Mes prix sont plus que raisonnables. Pétard, mets fin au combat. Ah, c'est pas mal, ça. Mets fin au combat. Attaque de jet rapide. Ah, je prends. Un tube de peinture. Peinture à l'huile. Ça doit sans doute être utile. Des champignons. Des trucs, des machins. Ok. C'est un magasin. Ça fait plaisir. Allô, vous me recevez? Pas de réponse. Ils ont même un ordinateur ici. J'adore les ordis. Patouche. Ok. Patouche, qu'est-ce que c'est que ça? Ça dit certificat d'excellence. Il y en a tellement. Ouais, sûrement quelqu'un de surcoté. Ok. Ça, c'est une forteresse de couverture. Moi aussi, je veux une forteresse de couverture. On devrait essayer d'en construire une à la maisonnée. Ça doit être là qu'ils stockent leur bazar. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien que des vieilles BD. Du Chivolt? Non. Et toi? Hé, coucou! Alors, la cabane te plaît? Elle est plutôt cool. Vraiment, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Mon père s'est occupé de l'extérieur et c'est moi qui ai géré la déco. Trop bien! Alors, les lumières de Noël que tu nous as données, je les ai mises là-haut. On a bien galéré pour te les rapporter. J'imagine bien maintenant que tu fais partie du club. Si jamais tu trouves d'autres trucs cool, apporte-les pour décorer. Je garderai l'œil ouvert. Ok. Quelque chose à mettre. Ok, ok. Bon, on est pas mal. Est-ce que je peux t'acheter des choses? Peinture verte, ça doit être utile. Dans le doute, on va te prendre. Ça, on va te prendre. On prend du soin. Et un truc pour mettre fin au combat aussi, on sait jamais. Je lui ai acheté surtout la capacité, c'était surtout l'essentiel. Et ça, c'est quoi? Tu as trouvé de l'argent, ah oui, c'est tout. Ok, bon, on est pas mal. On va continuer encore 5-10 minutes et puis on s'arrêtera là. Il faut que j'aille où, là? On est bien. Héros de hockey. Ok.
Ah oui, la carte de bus. La carte de bus dans l'anus. Ok, donc on va pouvoir arrêter. Ah, oh, il m'énerve. Il m'exaspère. Je veux pas me battre. Cassez-vous. Je rote parce que je parle et du coup j'absorbe de l'air, donc je fais de l'aérophagie et j'adore roter. Il faut laisser les fluides et les gaz sortir de son corps, voilà ce que je vous le dis. Attaque de jet rapide. Oh, bien. Ok. Elle est vraiment forte, elle est vraiment bonne, notre sœur, elle est bonne, c'est une bonasse. Ok. Peu d'argent et un peu d'XP, mais pas grand chose. Allez, cassez-vous. Le bus. Oui, on utilise la carte de bus. J'espère qu'il n'y a pas de combat dans le bus. Oh, le centre-ville, c'est très joli. C'est très sympa. Bon, il faut qu'on trouve notre daron. Notre gros daron qui pue. Centre-ville. Oh, une poubelle. J'adore les poubelles. Oh là, il y a un gorille. Ça a l'air open. Ça, c'est qui? C'est qui cette vieille? Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'aider à traverser? Oui, merci, je vous suis. Mais n'allez pas trop vite. Allez, viens la vieille. Merci, Asie et Lily. Je peux me débrouiller. Oh, mais t'étais au milieu de la route. Elle me donne une récompense, la vieille? Je sais pas. J'adore les récompenses, ouais. Tout ça, on peut y aller. Ah, ça, on peut y aller. Oh, putain. Libratorium, d'accord. Salut. Ah, l'innocence de l'enfant, c'est si loin. Vous devrez peut-être vous reposer à l'ombre. Je suis un raté, un charlatan qui fait semblant. Je prends un air sérieux et je dis oui, faisons affaire ou sortez le contrat. Mais je suis perdu, je ne sais absolument pas ce que je fais. J'utilise des mots sans broncher. Ok. Vous rendez compte, je ne sais même. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte? Un fantôme? Un peu de sérieux, on ne plaisante pas avec la compta. Il est bizarre, on devrait peut-être l'ignorer. Je n'ai pas besoin d'aide de qui que ce soit. Par contre, gardons tout ça entre nous. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on est pas mal. Ah, mais ils sont immenses. Je pense qu'on est pas mal. C'est marrant quand même comme jeu. Hein. C'est très étonnant. J'aime bien l'idée. On peut acheter des livres. C'est le livre dont j'ai besoin. Pas touche, il fait partie de la déco. Excusez-moi. En quoi puis-je t'aider? Nous voulons savoir si vous avez des BD. Trouve-les toi-même. Mais vous n'êtes pas l'experte des livres vibratorium. Oui. C'est votre travail de nous aider. Je suis occupé, salut. Vous êtes la pire experte. La seule personne que j'écoute, c'est mon responsable. D'accord, donc il va falloir trouver ton responsable, sans doute. Guide de Porto, 100$. Il n'y a pas assez d'argent. C'est des améliorations? Regarde, le train traverse les murs et on sort à travers le plancher. C'est la première fois que je vois ça. Oh, tu as trouvé une encyclopédie, utile pour boucher un trou. Faire tomber l'encyclopédie, oui. Ah. Et ça fait, ça cogne à la porte. Excusez-moi, le train, c'est pas mon problème, mais vous devez réparer. Ok. Très bien, donc en gros... Oh putain, un dinosaure. Ça, c'est un grand dinosaure. Autrefois, ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette découverte vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très sympa. Si vous êtes nombreux à me le demander, peut-être que je continuerai. Mais pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là. Tous les liens seront dans la description si le jeu vous intéresse. Mais j'apprécie l'idée, vraiment, hein, ce mélange de genres, là, ce petit jeu à la Super 8, là, d'action-aventure, de combat tour par tour, vraiment pas mal du tout. Sur ce, gros bisous à tous, et à bientôt. Bye bye.